Superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Après avoir été tombé dans les pommes pendant quelques minutes, me revoilà un peu, j'ai la tête qui tourne après avoir reçu cette bouteille sur la tête. Je ne sais pas si je ne veux pas devoir déclarer forfait pour cette année-là. Je suis touché un peu psychologiquement aussi. 2022 démarre très très mal les amis. Ah, je pense que je vais prendre un petit Doliprane, désolé pour le Oudafalgan, si vous voulez un paracétamol parce que ça va pas très bien. Là, je suis sonné. Bon, c'est pas grave, il est minuit de toute façon, il faut que je fasse mes vœux. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, la réussite, le bonheur. Mais surtout, pour tout ce qui est bonheur et réussite, il faut d'abord la santé, que vous ne chopez pas le Covid. Donc pour ça, je vais répéter ce qu'on nous dit souvent, hein. Il faut appliquer les gestes barrières, les masques. Pas trop la bise, même si c'est le nouvel an et qu'on aura la tendance à le faire. Mais voilà. Et n'oubliez pas, à Lyon par exemple et à Paris, les préfets ont dit que le port du masque est obligatoire dans la rue, au centre-ville. Depuis hier matin, restez prudents du coup, et comme ça tout ira bien et on pourra se sortir de ce fichu Covid. En tous les cas, j'espère la réussite pour tout le monde, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, et puis voilà, et puis pour ceux qui ont une vie professionnelle et pour les plus jeunes, une réussite dans leurs études et au niveau scolaire. Voilà, donc la petite cascade avant, je tenais à dire, voilà, il ne faut pas la faire. Je me suis moqué un peu, mais ce n'est pas à voir dans les stades de foot, je le répète. Même si on peut avoir tendance à penser qu'un tel ou un tel a exagéré, etc. C'est le jeu de exagérer, il a fait son jeu, voilà, il faut le dire clairement, j'ai voté pour toi, Lionel. Et c'est à pas avoir, on n'a pas à avoir ça dans les stades de foot ou même dans la ville tous les jours. Il faut arrêter de se battre pour des bêtises. Il y a tellement de problèmes dans le monde, comme le Covid, où on voit des gens disparaître, qu'il faudrait arrêter de se battre pour des histoires économiques, pour des ballons, etc., des histoires politiques et se taper dessus. Voilà, c'est pas à avoir dans les stades, mais aussi dans la ville tous les jours. Il y a trop d'agressions. Voilà, il faut arrêter, car on se plaint qu'on peut pas avoir une vie tranquille. Une vie à pouvoir sortir, etc. Mais si ça continue comme ça, bah, avoir des agressions, que ce soit dans les stades ou autre, et bah, ça va recommencer comme quand on va être confiné, on ne va plus pouvoir rien faire. Donc prenez les dispositions qu'il faut et réfléchissez avant de faire des actes, voilà, pour pas que tout le monde en pâtisse. Voilà. Donc je vous le redis, ce n'est pas à faire. Voilà. Et donc les gens qui font ces actes-là devraient être punis. En tous les cas, voilà, je vous souhaite un bon réveillon. Faites attention à vous. José va revenir fort. On n'a pas fait trop de vidéos là. C'est un peu cata, je sais. J'ai eu des petits soucis de santé, voilà. Et puis j'ai eu mes études, mais on reprend vite. Inquiétez-vous pas. J'ai quelques peut-être surprises à voir. On verra comment on peut faire ça. Mais en tous les cas, je vous souhaite une bonne année. Encore une fois, une bonne santé 2022. Qu'elle soit bonne pour vous et pour vos proches. Et que voilà, et un bel avenir pour tous. Mangez bien ce soir, buvez bien. Par contre, après, dès lundi, il faut se remettre au travail et faire un peu de régime. Voilà, allez, je vous fais des bisous à tous. Je vous fais une bise, même si c'est pas trop recommandé. Voilà, et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, je l'espère, avec le déconfinement, etc. Enfin, le pouvoir retourner au stade, etc. Et pouvoir faire pas mal de choses. Voilà, allez, une bise à vous tous et puis prenez soin de vous. Salut.